Décès du père de Chantal Billa des langues se délie, grosse panique a tout dit, voici pourquoi. 8 ans après la mort de sa célèbre épouse, son mari Ernest Mouchouan a été emporté, dans l'au-delà le 10 novembre par une maladie insidieuse, qui le rongeait depuis plusieurs années. En cette douloureuse occasion, une messe écuménique en sa mémoire, sera célébrée ce jeudi 22 décembre à 18h à son domicile du quartier Anguissa à Yaoundé, révèle 237 en ligne. Une controverse a éclaté au sujet de sa mort et de sa réputation ternie, y compris celle d'un ministre de la République. La nature de la prise en charge de ce patient inhabituel et son évacuation sanitaire en Europe. Selon certaines sources, alors que Papa Ernest, comme l'appelait affectueusement ses proches, est décédé, ce digne fils de la région de l'Ouest était quasiment seul dans cette structure hospitalière. Selon Zenith, toute chose qui aurait fait de la ministre accusée un véritable tollé, disons, de la part de certains responsables de la présidence protestant, contre sa présomption de faire sortir secrètement le père de la première dame du pays. Le confrère souligne également que le manque d'intérêt pour l'affaire Ernest Mouchouan soulève de nombreuses questions. Surtout quand on sait comment des patients bénéficiant d'une évacuation sanitaire fédérale, comme J.P. Rémingono l'a très justement souligné, étant souvent maternés, prenant toutes les précautions pour une meilleure prise en charge dans des hôpitaux prestigieux, comme l'hôpital américain de Paris, ou le CHU de la Pitié-Salpêtrière, dans la même métropole en France,